aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des cannelbullar suédois. Pour commencer, on met 50 g de levure fraise dans un grand bol. On mélange un peu. Et c'est 42 g dans une paquette. Je vais rajouter un peu plus. J'espère que ça va faire environ 50 grammes. Ensuite, fais fondre 150 g de beurre. Décilitres de lait. Et on mélange. On fait ça jusqu'à ça fait 37 degrés, la même température que le corps. Et ça va normalement aller vite. On peut vérifier doucement avec un doigt. Ah, c'est peut-être 35. Là, on a les bonnes températures. On mélange ça avec la levure. On ajoute une décilitre de sucre. On ajoute demi cuillère de sel. Et on ajoute de la farine, 1,5 litres, mais pas tout en même temps. Un peu, on commence comme ça, un peu, on mélange. On ajoute encore un peu plus. Et le dernier. Mélangez de tout avec un robot jusqu'à tout est bien mélangé. Gonfler pour environ 45 minutes. On laisse comme ça. Maintenant, on attend des 45 minutes et les pâtes à gonfler. Ah, bien. Maintenant, on prend un tir. Et préparer. Mais avant, je vais mettre là comme ça. On va mettre un peu de farine. Ça colle pas. Là, un peu comme ça. Après, on prend une pâte. Un peu comme
ça et on aplatit. C'est bien si c'est un peu carré, mais ça peut être quelle forme vous voulez. Maintenant, on a trois ingrédients. On commence avec du beurre. J'enlève un peu de beurre et mettre partout. Hop. Après, on met un peu de sucre, un petit peu partout. Qu'est-ce qu'on veut? Et les troisième et les dernières, c'est des cannelles. Là, mettre un peu beaucoup. On peut mettre beaucoup moins si on veut. Moi, j'aime bien le goût cannelle, mais c'est un peu trop. On peut mettre beaucoup moins si on veut. Maintenant, on va rouler. Comme ça. Là. Maintenant, on peut couper la taille on veut. Prendre un peu 2 cm. Couper là. Peut-être c'est un peu plus que 2. Là. Et on met un plateau. Avec un petit peu d'espace parce que ça va gonfler et grandir. Celle-là, on met sur un autre. Et après, on couvrir encore et on laisse ça pour environ 30-40 minutes. Ok, on met les fours sur 250 degrés. Et on attend que ça chauffe. Et pour les garnitures, on a besoin de perles de sucre. Et pour ça reste sur le cannibola, on va mettre un peu d'œuf aussi. On prend plus d'œufs. C'est important pour mélanger bien aussi. Environ 30 minutes. Et maintenant, c'est temps pour les garnitures. Et on va prendre un peu d'œuf jaune et mettre du jus pour après mettre les perles de sucre pour sa colle. Mettre un peu partout, autour. Maintenant on change, on prend une perle de sucre, normalement je prends un peu dans la main comme ça, c'est pas grave si ça tombe un peu autour, on peut mettre beaucoup moins aussi. Voilà, pas mal. Maintenant, on va le mettre dans le four. Allez, on met dans le four. 250 degrés. Ah, ça en a l'air bon. Ça va être prêt. On fait ça. Là, ça a l'air bien.
bien. Non. Mettre celle-là là. Et voilà, maintenant on a fini les cannelles bonnards.